Je dirais enfin les concours repartent. C'est ce que doivent se dire les cavaliers, leurs propriétaires, bien sûr. Oui, la compétition se relance et recommence à Vichy ce week-end par un grand national. J'espère qu'on va retrouver un cours normal des choses et que les compétitions vont pouvoir se succéder maintenant pour la préparation de chacun. C'est important. Ce week-end, on a trois concours nationaux. Saint-Lô, concours national avec un grand prix à 1,45 m. Et Conclé aussi, qui était initialement prévu en deux étoiles et qui s'est transformé en concours national. Ce qui permet quand même à tous les cavaliers de l'Hexagone de pouvoir se répartir. On voit des couples du haut niveau qui sont présents sur ces trois concours. Et l'important pour eux, c'est vraiment d'être en compétition et de remettre les choses en route, bien sûr. Pour ce qui me concerne, moi je suis aujourd'hui à Vichy, demain j'irai à Canteleu et je reviendrai à Vichy, voilà. Et puis avec Noël lui aussi est sur Saint-Lô et Canteleu. Édouard Coupry ce week-end a accompagné tous les jeunes avec Olivier Bost à Oplabec. Mais l'important surtout pour les cavaliers, c'est de refaire sauter leurs chevaux en compétition. C'est vrai qu'à la maison, tout peut très bien se passer. Les chevaux sont restés dans la préparation et dans l'entraînement. Mais la vérité, c'est quand même la compétition. Donc des gros concours maintenant qui doivent venir, comme les concours de Saint-Tropez, 4 étoiles, 5 étoiles. Il y a une certaine Gwenbosch la semaine prochaine. Et puis très vite, les Coupes des Nations vont arriver. Donc il faut que les chevaux soient prêts pour aller dans ces concours-là.